Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on est sur Atomic Heart pour continuer notre petite balade robotique bien sympathique, ma foi. Bon, alors, objectif. Le labo se trouve là-bas, donc on doit aller sur la rue principale. Attendez, ou alors monter à celui-ci. Lequel est le plus intéressant? Alors honnêtement, je pense que c'est celui-ci parce que j'ai un chargeur de Kalachnikov, un collimateur pour le PM. Ouais, non, on va aller... Voilà, et il faut juste que je me fasse pas griller par les caméras. Les robots en eux-mêmes, si je peux les déboîter, tant mieux. Alors, fun fact... Un petit fun fact comme ça juste au passage par rapport à au claim des musiques sur ce jeu. Sur certains jeux j'ai pour habitude de mettre 10 secondes tout à la fin de la vidéo où il y a juste les possibilités pour s'abonner ou aller sur une autre vidéo. Et ben fun fact, je me suis... Voilà, et je prends des BO de films en général, parce que j'aime beaucoup certains films, et les BO sont bien. Ce qui veut dire que le bot, il va réagir ou pas. Dans le cas présent, il ne réagit pas. Mais en revanche, il y a certaines musiques du jeu où... Il y a certaines musiques du jeu où elles se font claim. Les gars, vous êtes sérieux? Alors, on va essayer de... Ouais, mais viens. Mange du plomb. Voilà. Voilà, pas de cobaliser. Voilà, cette musique-là, par exemple, ça risquerait de... Oh là! C'est quoi ce robot avec une hache que j'ai vue? C'était quoi ce robot hache, tueur? J'ai vu un truc pas jojo. Il est où? Il est là. Non? Voilà. Bon. Je disais donc. C'est pas la caméra qui m'inquiète, moi. Il y avait un robot qui se baladait dans le coin et qui avait l'air... voilà, c'est celui-là, non? C'est quoi ce truc? Canard.
astronomes avaient prédit la semaine du cœur de l'atome. Le nombre d'ennemis a doublé. Alors, ça te plaît? Attendez, c'est quoi ce machin là? Ils ont vraiment lâché! Désolé Robert! Yes. Bon, point faible. Bien voir, papa. Yes, j'ai eu. Voilà. Et ils réparent. Ah, apparemment, ils vont pas réparer jusqu'à un certain point. Voilà, ciao. Alors juste pour regarder, est-ce que... Oui, d'accord, il y a bel et bien la zone d'efficacité. Voilà. Donc une fois qu'ils sont en dehors de cette zone, je fais ce que je veux. Regardez la map pour savoir où je suis. En fait, faudrait que j'aille tout droit jusque là au bout. Ok. On va voir si on peut essayer de faire un... Mais je suis pas fou, ils ont amené un truc aéroporté à un moment donné. Ils ont carrément amené un truc aéroporté. Hop là. J'aimerais bien pouvoir aller farfouiller, hein, mais je peux pas. Allez. On va par là. Attendez, c'est quoi ça? Visqueuse. Ok. Là, y a rien. Je suis dans une zone. Calme. Donc le labo, le site de test se trouve là. Il va falloir que je trouve par où passer. Oh merde. Oh bon sang, il y a de ces saloperies. Ah!
Ok, alors. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de passer par ici. Est-ce qu'ils ont une bonne range aggro? Apparemment, non, ça passe. Je sais pas trop par où je dois aller. C'est là tout le problème. Déjà, on va faire sauter ça pour passer nuit inconnue. Ok. Tout converge par là. Waouh, 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 waouh. C'est quoi cette zone de l'enfer? Parce que là, en fait... Donc ça, c'est le relais, mais il faut que j'aille jusqu'au site de test. Tiens, et le site de test numéro 2, il y a quoi? On s'en fiche, ok, bon. D'accord, bon. Ben, pas le choix, on va devoir faire ça comme ça. Essayer de passer sur le côté. Voilà, ça, ça dégage. Donc le labo. Ah, il y a une bagnole si je veux. Parfait. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la bagnole? Parce que niveau discrétion, on passera. Hein. Voilà, on va... Il y a vraiment des zones vides comme ça, c'est très bien. Alors. Je suis juste en face. Parfait. Mais il faut que je puisse y entrer. Jackpot. Il va juste falloir que je puisse... Que je passe là-dedans. Amène-toi. Voilà. Et les capsules, etc. On est bien. Attends, va falloir réussir à passer à l'intérieur. Alors que j'ai le robot moissonneuse là. Voilà. Oh, mais y'en a partout de ces saloperies! Faut que je trouve le moyen. Oh la vache! Y'a du monde! Bon, qu'on soit sûr. Point fort, point faible. Vulnérable à l'électricité, résiste à ça, j'ai inversé. Donc il va falloir que j'augmente vraiment mes capacités psychiques. On va filer le conseil d'améliorer ma psychokinésie. Effectivement, c'est pas bête, il faudrait que j'y pense. Faut juste que j'ai assez de poids.
Ok, ils sont ailleurs. Ils regardent ailleurs. Ah, il y a peut-être moyen de les gruger. Ou pas. Voilà, ce sont des bons robots, mais j'ai réussi à le dégommer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de passer dans les champs. Faut que j'entre dans cette baraque. Sans me faire griller. Wow! Il est où? Hey! Hey, robot copain! C'est qui le patron? De moins en moins de munitions. Ça, c'est problématique. Ok. On peut passer par là. Voilà, ni vu ni connu. Pas vu, pas pris. Dans les hautes herbes. Faut que j'arrive à entrer là-dedans. Et c'est ça le plus dur. Ce qui est bien, c'est que l'IA est un peu coconne là. Donc son énergie, résiste à l'électricité, vulnérable au feu. Et au reste, ok. Ok. Faut que je puisse entrer là-dedans. C'est tout ce qu'il me faut. Comment je fais pour entrer là-dedans? Je loupe à bout portant, faut le faire. Ok. Je vais le vider s'il faut, hein, ça. Allez.
Wow. Plus d'énergie. Non, je me fais pas enquiquiner, moi là ça me va. Il me faut absolument ça pour entrer dans le labo. Il va falloir que j'améliore donc mon armement parce que là forcément c'est pas possible. Oh merde! Ça va. Il est là. Alors j'ai 30 balles de kalash. Et c'est tout. Peut-être que celui-ci sera mieux. Voilà, il va voir ailleurs si je suis pas. Et il a rien dedans. Allez, dégagement! Wouhou! Chez! Je les ai eus. Alors, c'est déjà un coup de bol en fait en soi que ils remettent pas en état les. Ah, ça c'est un meuble de décoration. Alors j'adore parce qu'ils me disent ah, tu peux récupérer des trucs là-dedans, mais c'est vide. Tout est vide. Remboursé. Il faut que je puisse monter au-dessus. Faut que j'aille au-dessus. Et là, c'est un problème. Fige-moi. Non mais c'est une blague. Comment je fais pour aller au-dessus du coup là? C'est quoi cette daube? J'ai mal prévu mon truc, c'est pas possible. Oh, y a un mec là-dedans, c'est horrible. Ok, alors. Réfléchissons par où je peux passer. Mais... Non, sans blague. Par où je peux passer? Non, je crois que j'ai fait. Voilà. Et il y avait une... Il y avait une échelle à côté!
me flinguer. Jackpot. Il y avait une échelle juste là, c'est ça? Juste pour être sûr hein, que je sois bien dégue. Allez vous faire foutre. Voilà. Go 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 go. Alors désolé, ça a été très laborieux, mais waouh, quelle horreur. Ouh. Bon. Donc, mémo. Ok, je vérifiais, j'ai 4 jauges d'énergie en bas à droite. Mais il y en a une qui se charge pas, bizarre. Alors, c'est une que j'aurais récupérée en bonus, je sais pas. Voilà. Encore un caveau. C'est un site de test, Major. Il devrait y avoir des armes ici. Site de test, caveau. Quelle différence? Allez, on récupère le matos si on bouge. Je regarde en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai comme point? Major. Polymère. On va voir du coup pour la télékinésie. J'ai 115 polymères. Alors, c'est quoi? Amélioration, employer tous les ennemis dans la zone d'effet. Ok. Bon, écoutez, on va prendre ça. Hein. On va le mettre là. Et donc ça ici... Amélioration, augmente la zone d'effet... Accélère la chute des ennemis... Etc. Télékinésie de masse, soulevez tous les ennemis, vous entourant, utilisez des armes à feu ou énergie pour éliminer. D'accord. Je pense que ça devrait pouvoir m'aider ça. Ok, et donc c'est la place de... c'est la place du... C'est la place du Glacius. D'accord. Mais ils s'enjaillaient vraiment dans leur truc, il y a de la techno partout. Il y a de la Zucmi. La Zikmu. Vous avez compris quoi. Hey, j'ai entendu, il essaye de parier comme les Jones, mais en plus il sait pas le faire, eh wesh. Parfait. Ok. Et donc je vais passer par où là? Il y a fatalement un coin où je peux passer. Vérifier vraiment partout, tout ça je trouve. Ah. Ça c'est le pompon. Attendez. Il va y avoir un truc quelque part. Réfléchis, Rex. T'as plus que 2 neurones, donc réfléchis. Viens de là, il n'y avait rien. Si vous me dites qu'en fait ça, je suis bloqué parce que je peux pas aller plus loin ici, c'est un peu débile. Point d'accord. Il y a un truc chelou là. Ah. Attendez. Alors attendez, on a ça. Est-ce que on ne doit pas retrouver un système d'énergie?
peut rêver, hein. Ok, on s'est rien soulevé de très gros, ça, ça me va. Ah ouais, on s'est vraiment rien soulevé de très gros, ça va pas être... Ok. Wait. What? Ah, oh, je suis con. Allez, où il est le truc que je vais... Oh, je suis débile aussi. Oh la vache. Ouah, d'accord. Je fais comment là? Ouf! Attendez, est-ce que j'ai fait le... Non. Ok, il y a un truc qui... m'échappe ici. Non, tu... Ça va beaucoup trop vite, comment je fais? Je peux faire. Oh! Y'a pas moyen de le pousser, ce machin? Comment je peux faire? On est d'accord qu'il y a une coucouille là. D'accord qu'il y a une connerie. Il y a forcément une connerie. Bon. Ne pas s'énerver. Ça sert à rien. Si je suis bloqué là, j'irai une autre fois, tout simplement. Mais c'est chelou. Et je sais pas te bouger, toi. C'est plus ça qu'il faudrait que je puisse bouger, mais apparemment, on peut pas. Ouais, c'est vraiment ça. Alors là, je donne ma langue au chat. Comment je peux faire? Aucune idée. Bon, bah on va remonter. Alors, hein, on devra passer ici une autre fois. Si ça tombe, en fait, j'ai juste pas un système qui permet... Attendez, on va check. Sélectionner la procédure. Est-ce que je peux mettre le système down plus longtemps? C'est ça la question. Accélérer le chargement. Augmenter la distance. Non, ça... Par contre, le faire ça. C'est chelou ça. Et du coup... Ouais, distance est... Je saisis pas. Quelle est la cacahuète? Bon, ben... Si on se foire là-dessus, on va devoir aller à l'autre tableau. Hein. Ah non, je continue pas l'aventure sans... Tant que j'ai pas amélioré un peu de le matos, hein, moi, c'est mort. Vous pouvez toujours vous brosser. Mais comment... Si ça tombe, j'ai abandonné trop vite et je pouvais passer, hein. Mais, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors il me faut une il faut de la télékinésie pour complètement dégager l'autre truc. Il me faut une télékinésie plus forte du coup.
Alors, si c'est ça, franchement, c'est... Alors déjà, d'un côté c'est vicieux, parce que c'est-à-dire, ouais, il faut vraiment utiliser ces cellules grises à fond. Et en même temps, c'est pas débile. On se casse. Et ça, hein? Casse-toi, toi. Allez. Dégage. Ouh. Ils sont violents, ça. Ok, donc on a un labo, de toute façon, on a ouvert le labo. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà pas mal. Donc maintenant... Là, on va faire demi-tour. Il n'y a pas de voyage rapide, hein, désolé. Oula. On va rester hors de vue. En fait, là, je fais pas demi-tour, je suis en train de... Oh, on n'est pas loin de l'usine. J'ai des détections ici en dessous. Il y a beaucoup de robots moissonneuses, hein. J'aime pas du tout ça. J'ai le site de test 2. Non, on va aller au site de test 6, hein, pas le choix. Ah, quoique, il y a un truc pour l'électro là-bas, donc c'est peut-être pas plus mal aussi. Un système de save ici à côté. On va se prendre. Il y a des trucs là-haut, en vrai. Ok, donc je peux repasser par là. C'est quoi ça? Technicien, sont vulnérables à ceci, ceci, cela. C'est un groupe de techniciens. Tiens, tiens. Oh, je kiffe. En fais-moi les malins, hein. T'as de boulons. Et ceux-là, ils peuvent pas être animés, apparemment. Bon, allez, je suis à environ 1 km. Non, on sait pas grimper là. Mec, sérieux. Et non, je peux pas, j'ai pas été codé pour... C'est littéralement ça. Ok, ils se mettent par groupe maintenant. Là. Dans ma tête, il y a une petite voix qui a fait « Ne courez pas, nous sommes vos amis !» Comme dans Mars Attack. Alors, il y a une bagnole là. Passer
Alors. Ciao les gars. Ok donc. Alors je suis preneur. Hein. Je suis preneur pour le backseat entre guillemets. Si dans le labo j'aurais pu avancer. Si c'est pas le cas, ben ça veut dire que j'ai eu un bon réflexe. Si c'est le cas. Vous pouvez vous ficher de moi, vous pouvez vous payer ma tête en disant mec, sérieux, X, t'aurais pu continuer, t'abandonnes trop vite, ou rembourser. Mais tout est gratuit, donc. Pourquoi je vous rembourserais? Vous me payez pas? Ce serait chouette d'ailleurs. Hein, mais... Hey, toi tu dégages. Et donc là, ce qu'il me faut, c'est juste savoir par où je passe. Je peux... en fait, je dois passer en ligne droite. Ok, j'y vais. C'est le train qui passe. Ah, il y a une save là. Ok, il y a un canard. Là aussi, il y en a. Ils sont en train de jouer dans l'eau. C'est mignon. Il y a un Black Tech là. Électricité. Merci. Bon, déjà. C'est chelou quoi, il y a tous les poissons là-dedans, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que vous foutez là-dedans les gars? La situation est critique. Ouais. D'autres ennemis arrivent. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. J'ai bloqué le plan pour les balles de Kalachnikov. Ah! Ok. On va tester la calache! Ah, ils arrivent vraiment comme ça? Oui! Boum! Toi et moi le canard. T'es faible à quoi? Électricité. Wouah, je kiffe ce flingue.
Non, non, vous réparerez pas tout de suite. Là, je vais d'abord pouvoir aller me heal. Enfin, me sauvegarder. Bon. Hey, Mikhaïl, la borne de réparation du bâtiment proche de la conduite d'écoulement a un problème. J'ai demandé une boîte à outils, mais au lieu de ça, un bourdon m'a balancé un énorme conteneur. Je peux même pas entrer à l'intérieur. Mmh. Tu veux bien y jeter un œil? Personne répond à mes alarmes. Bon bah... On sait pourquoi personne répond. Donc il va falloir que j'aille à l'embarcadère, site de test. Je vais check le timer par contre, parce que là je suis en train de faire une vidéo qui dure des plombes pour pas grand chose. On va essayer de se rush le site. On se casse. Ça pue la zone de boss quand même dans le coin. Ok. Voilà, on fait ça. On charge le shotgun. Le temps. Réfléchissons. Allez. Voilà, allez, casse-toi, saloperie. Ah, il s'est passé des trucs pas jojo ici. On récupère des morceaux. Il faut les infos. Comment je peux aller jusque là? Il me faut... Faut que je trouve le... ce qui lit toutes les caméras. Elles vont toutes là au bout. Faut que j'aille là au bout. Espérant que je puisse. Ah, je viens d'entendre une grenouille. Ok, on peut traverser à pied sec, ça me va. Et là. Bah, normalement ici on devrait... D'ici je devrais pouvoir me connecter, ouvrir les chemins. Ah. Donc il y en a une qui est down ici. Celle qui m'intéresse, ça doit être celle-là probablement. Non. Si ce n'est point celle-là. C'est pas... Ah. Celle-ci pour ouvrir là, c'est bien. Voilà. Et on descend. Ouais, la vidéo est pas spécialement super intéressante, je suis désolé, mais bon, c'est... Vous savez, là, c'est comme ça dans les jeux, de toute façon, il y a des moments où c'est tout le temps move, 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 et il y a d'autres où...
Bah, ce sera un peu plus posé. Oh, dans les égouts, génial. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé du matos pour améliorer nos armes, des plans, ce genre de trucs. Donc, ça, c'est une bonne chose. What, je peux nager? Je peux nager. Mais... Ok. Ouvre-toi. Bon, il ne reste plus beaucoup de munes, sauf pour le petit flingue à la con. Ceci, c'est super pratique. Et j'ai toujours ce machin là. J'adore parce que je me bats uniquement au petit flingue à la con. Je vais me faire full heal, voilà. Je me bats uniquement au petit flingue à la con et pourtant contre des trucs qui sont censés résister. Donc j'optimise pas du tout. Hé, hey, on est où ici? Encore un site de test. Il devrait y avoir des plans militaires par ici. C'est ce que je me disais aussi. Dites, monsieur je sais tout, d'où vous tirez toutes ces infos sur des plans militaires dans des labos soi-disant civils? Pourquoi ne les détiendrais-je pas? Vous savez, je suis un appareil conçu dans des circonstances extrêmes, pour des situations extrêmes. Ouais, extrême. Exactement. Et pour un agent des forces spéciales. Je vois que nous nous comprenons, Major. Ou du moins, ce sera bientôt le cas. Des composants... Chope de bons trucs, ça c'est chouette. C'est vidé, suivant. Oh, excuse-moi. Des balles de Kalachnikov, tout ça, c'est bien. C'est vraiment super pratique la façon dont on peut choper tout. On n'est pas obligé de faire les tiroirs un par un, ce genre de choses. Moi je trouve ça cool. Tant bien pour ça. Bon, par contre, ça s'enjaille vraiment dans les boîtes de nuit chez Ruskov ici, c'est incroyable. Oh là là là! C'est quoi ce délire? Et c'est quoi le... En fait, c'est quoi le dé? Les rêves des scientifiques du site 3826. On est d'accord qu'ici... je ne vais pas faire de sous-entendu. Je vais pas passer pour quelqu'un qui a l'esprit vraiment mal tourné, mais je suis désolé. Ici, au site de test numéro 6, vous pourrez observer les expériences répondant à la question « Sera-t-il possible aux générations futures de regarder des films en apesanteur ?» La réponse est bien sûr pour un citoyen de bien étonnant. Alors... Ouais, là par contre, il n'y a pas d'équivoque, je suis désolé. Que des trucs avec du cul. Du cul. Alors il faudrait que je puisse monter jusque là-haut, c'est ça? Mais pour ça... Yes.
Faut que je trouve en fait le truc qui fait que... Faut que je trouve une solution. Donc il y a ça ici. Il y a des chiffres, 7, 0. Ça, ça change rien. On peut tomber là-dessous, c'est pas la mort. Ok. Bon, qu'on soit bien clair, il y a vraiment des trucs. Ils sont un peu tendus. Il y a du fion partout. Ah, je peux le faire comme ça quand même. Sauf que je vois rien. Vu, il faut que je puisse mettre la porte là-haut. D'accord. Ce qui me manque ensuite, c'est... de pouvoir monter. Je peux pas monter là-haut ? Yes, voilà. Je suis pas de mon côté, vous êtes sérieux? Attendez. Alors attendez, hein, parce que... Voilà. Donc on est d'accord, il faut que j'ai... l'autre porte. Ok, je vois le principe. Je vois le principe. Donc il faut que j'ai cette porte là et que je puisse l'ouvrir. Ce qui est problématique. Hein, on va être d'accord. Sauf si... Au nom de Dieu. Oh nom de Dieu, d'accord. Vu. C'est pas dans ce sens là. Je crois que j'ai tilté le truc. Ok. Voilà, il me le faut comme ça. Et en fait, normalement, là c'est bon. En fait, j'avais réussi à la mettre comme il fallait sans le blanc, je pense. Yep. Ah là ! Oh la vache, d'accord. Jackpot. Voilà. Voilà, et à partir d'ici... Ouf. À partir d'ici, il faut juste que je fasse encore... deux tours. C'est ça. Yes. Gros cerveau en action. Ah non mais c'est... Voilà, ça c'est cool. C'est sympa comme type d'énigme. Franchement, j'aime bien. C'est bon, il n'y a personne. À part les cadavres, bien sûr. La prochaine fois, on continuera l'aventure. De toute façon, on va essayer juste d'améliorer un peu le matos et puis on ira défoncer. C'est qu'il va sûrement nous tomber dessus en plein milieu. Là, faut être honnête, hein. On va se faire agresser par un boss. Hein. Pff.
faudrait être con pour pas y penser. Ok, donc là c'est un cul-de-sac. Mais je vous jure, j'en reviens toujours pas. On est d'accord. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord. C'est du cul. C'est un truc qui. C'est. Du cul. Des mannequins dans des positions de cul. Il y en a qui ont de la chance. Tiens, le camarade Perpetuelov. Vous avez l'air maussade. Quelque chose ne va pas. Ah, et j'obtiens déjà le faire un cauchemar ou quelque chose du genre. Et lui, là, il était là. Allons, reprenez-vous. Vous devez manquer de sommeil, Major. J'ai l'impression de dormir, là, et de faire un gros cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar, c'est un mirage. Ah bon, il y a encore des trucs ici dedans. Je n'avais pas tout vidé. Ah si, j'ai tout vidé. Bon, donc on est d'accord que par ici ça sert à rien, faut monter. Ah oui, il paraît qu'il faut parfois s'élever. Cette turbine sert à la fois de dispositif ruche pour les essais. Oh la vache. Et de déclencheur pour le générateur qui alimente le personnel mécanique du site de test. Un moyen de sortir de là. Oh, fallait juste que je l'ai bute, d'accord. Ouf. Bah ça fait du matos ça. Voyez le beau côté de la chose, ça fait du matériel. Et comment je fais pour sortir? Ah, d'accord. T'es sérieusement en train de me dire que... morceau qui reste ici. On va pas le gâcher. Ouf. Pourquoi je le sens pas? Imaginez si ça se remet en marche. Je vais me retrouver broyé, quoi. Alors, je remonte pas du mauvais côté, je pense. J'entends une petite musique agréable. Ah, ça va, je suis du bon côté. File-moi ton plan, toi. Truc pour les Kalachnikov, parfait. Ok. Il y a
rien aussi. Objectif du service planification du site. Oh là là, mais c'est vraiment du cul partout. Obtention et prise en charge de solutions de construction pour les futurs ateliers de test. 2. Production de la conception en termes de reconstruction, de réparation et de nouveaux bâtiments. 3. Production des spécifications de conception et estimation des travaux. 4. Préparation du calendrier de travail. Ok. J'essaie de comprendre comment ça marche. Donc là, je peux pas passer. Là, on est ok. D'accord. Ok, 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 ok. Ne dites pas que j'ai l'esprit mal tourné, je suis désolé, hein, mais le jeu il est comme ça. Alors, ça devrait être celui-ci, je suppose. Oh! Chou! Ah, je suis tout en dessous, d'accord. Réfléchis, Rex. T'as un gros cerveau. Réfléchis. Donc on a ça qui sert à rien. Faudrait que je puisse passer de l'autre côté par là, en fait. C'est ça le problème. Je vais pas sauter sur le cul de l'autre, là, non? Et ici, malheureusement, je ne peux rien faire. Il y a des trucs en dessous. Est-ce que ça vaut la peine d'aller check? Oh, ça coûte rien. Hein. Ah, attendez. Attendez. Donc, on a le tuyau jaune, là. On a un tuyau jaune. Oui, c'est lui qui... Le truc, c'est que je suis quasiment... Je suis sûr que je devrais pouvoir passer là. C'est quoi cette bin? C'est quoi ce bin, ça? Débile, tu devrais pouvoir trouver une solution. Il faut que je puisse passer de l'autre côté. Non, en fait, c'est ça qui pose problème. Ouais, c'est fait de telle façon à ce que... C'était... J'ai trouvé, donc... Fallait mettre le tuyau au-dessus. Descendre là, s'accrocher et jump jusqu'ici. Wouh! Ah non, mais... Vénère, le machin. C'était vénère, le truc, hein. C'est... Waouh! Alors, attendez. Des roquettes, etc. pour la grosse Bertha, que je n'ai pas encore. Bien! Maintenant, on va peut-être pouvoir réussir à débloquer... Je sais pas quoi. Ouh, d'accord. Ok, mais je vais pouvoir aller où? Au-dessus, je suppose. Ok.
et j'ai pas pu. C'est sérieux? Ah là! Ok, c'est pas mal du tout. Pas mal. Et ce n'est que le début, camarade majeur. C'est une blague? Vous vous foutez de qui, là? Allez, on y va. Alors, ce qui m'embête, par contre, c'est que j'ai pas trouvé tous les items, on dirait. Enfin, je crois. Attendez, je vais check. Ouais, il en manque un. Ok. Dans le pire des cas, ce que j'ai pas, c'est le truc du flocon, je crois. Ah non, je les ai! Les deux sont étaient dans le dernier. Ok, je l'ai fait. C'est bon. On sort de là. On sort de là, on va aller... on va aller voir ce qu'on peut améliorer du matos. Le timer. Je vais rigoler parce que... Ah, ça va. Ça va, c'est... Je fais des épisodes de plus d'une heure maintenant de nouveau, mais le jeu est tellement cool pour ça, je trouve. Et aussi là parce que je me suis baladé comme un con un petit peu partout. Mais ok. Donc là, on va voir, je vais voir si je peux améliorer un peu les armes. Et puis, bah, ce sera la fin de l'épisode et au prochain, on ira sur l'objectif. À moins que je me tâte, est-ce que j'essaie quand même un autre labo? Dégage. Ok. Casse-toi toi. Ouh, ah. On se barre. Sayonara Tovarichi. Bon, ils m'ont pas suivi. Je sais même pas où je suis. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez. Sauvegarde en cours. Sauvegardez tant que vous voulez, Janine. Alors. Je suis. Ah oui, je suis à l'opposé, vraiment. Donc. Ces deux-ci sont bons. Il y a celui-ci. Si je veux, il y a le site de test suivant, mais je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est une centrale, ça sert à rien. Donc, je pense que là, on ira bel et bien à l'arène pour la prochaine fois. Alors, que choisissez-vous, Major? Yeah, j'ai assez de ressources pour tout ça, mais je m'en fiche. J'ai hâte de pouvoir débloquer la Cross Bertha. Mais je sais pas où se trouve le plomb et le railgun, ça a l'air cool. Bon. Qu'est-ce que j'ai chopé comme amélioration? Déjà, j'ai un nouveau canon, le standard ou émetteur électromagnétique qui permet d'étourdir et augmente les dégâts. Ok. Et chambre, j'ai rien de spécial dessus. Faut que j'ai juste assez de matos par contre pour améliorer les armes chaque fois. Les modules et cartouches, faudrait que je pense à les utiliser. Est-ce que ça vaut le coup là? Pas pour l'instant. Non, c'est le chargeur que j'ai regardé. Chargeur avec extension. On va l'installer. La calache.
On a le collimateur. J'ai pas assez. J'ai le module à cartouche, frein de bouche, cross standard. Alors le frein de bouche. Ah d'accord. Il faudra que je choisisse vraiment entre les deux. Polygon 11. Polygon 9. Le case 23, malheureusement, je crois que j'ai rien de plus. Le viseur thermique rend les cibles plus visibles et simplifie la visée avec le collimateur. Le canon... J'ai un canon qui est... pas dégueu. Est-ce que le convertisseur d'extension... Non, ça vaut pas la peine. Donc ça, ça peut être bien. On va l'améliorer. Dégâts accrus aux cibles organiques et augmente les dégâts. On va le prendre pour les organiques, lui. Donc lui, il sera contre les organiques. J'y bloquerai les modules à cartouche plus tard. Est-ce que le Dominator, j'avais quelque chose pour? Stockage à plasma, répartisseur, transducteur vectoriel, réduit le recul, compagnie, ok. La chambre, je peux l'augmenter au max. On va mettre le canon électromagnétique. Oui. Ok. Parce qu'en fait, sinon l'autre c'était canon standard pour décharge électrique. Donc ici j'ai un canon amélioré. Ajoute une attaque spéciale et augmente les dégâts chargés. Les suédois, j'ai pas vraiment l'intention de l'améliorer pour l'instant. Tout ça me semble bien. Est-ce que je peux améliorer mes propres capacités? Je suis un peu light, on dirait. Hein. Subis des dégâts plus importants. Ok, donc ça c'est pour améliorer la portée. La télékinésie, j'ai pas encore de quoi améliorer des masses. J'ai des ennemis lourds. Je pense que je vais devoir améliorer quand même mes capacités. Pas mon soin spécialement, mais par exemple résistance aux dégâts alimentaires, ça peut être bien. Énergie du personnage, j'en suis haut. Oui, il y a ça, la santé perdue recyclée, je suis pas ouf. Le bouclier en polymère, j'utilise pas. Mais en même temps, j'ai pas envie d'utiliser ça. Par contre, la projection de polymère, c'est peut-être intéressant. Mais est-ce que... Ah, je me tâte là. L'engelure, je m'en fiche. Neutraliser les dégâts de feu. Non. Vitesse de course plus rapide, par contre, ça, on va le prendre. Ah oui, j'ai l'impression que je vais plus vite, effectivement. Bien, bah écoutez, on va sauvegarder et s'arrêter là dessus. Je pense que c'est pas dégueu. On a une arme... Une arme Tesla. On a ça. On a de quoi faire mumuse à tout doucement quand même. Je pense qu'on pourra aller. Je sens, hein, c'est sûr. T'as une arène, il y a un boss qui va arriver dedans, c'est forcé. Mais ce sera pour la prochaine fois. En plus, on est
Bon, ça va, on est à 450 mètres, donc ça ira. Mais ce sera pour la prochaine fois. Allez, voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.